Bienvenue à tous pour ce match de Blood Bowl. Mais vampire toujours contre des bas-fonds, il y a peut-être un truc à faire. Pas grand chose, mais. Alors, je sais pas ce que ça va donner, en plus je ne connais pas ce joueur, du coup je sais pas du tout si. Ah, j'aurais dû regarder d'ailleurs, c'est Victor Defaite. Attends, regardez ça vite fait. Si vous pouvez voir tous les lecs recherches, c'est pas du tout ce que vous croyez. Je cherchais une blague à rapport au vampire, sauf que j'ai pas du tout réussi à trouver ce que je voulais. Donc qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, on va regarder en classement si. On va regarder. Open Paras, Bafon. Et il a. Ouh! Il a 3 victoires. 3 victoires. D'accord. Bon, ça s'annonce peut-être un match compliqué. Alors, oui, l'objectif donc c'est juste de faire marquer nos petits vampires, genre lui par exemple. On s'en fout, peu importe ce qui se passe sur le terrain. Je pense qu'on va plutôt essayer de taper lui. Ah, mon lutteur, il faut que je le garde de proche. Hop, lui, il va servir. Donc là on le garderait là. Ouais, ok. 4. 5. Ouais. On a un 3D. Donc on va quand même profiter. Il faut qu'on mette quelqu'un derrière. Au cas où s'il a soif. Il a soif. On va quand même taper. Je sais pas pourquoi, mais on va quand même taper avec un. Ouais. Ça me paraît cool. Et s'il a soif, tac. Attends, j'ai 2 solitaires. Oh ouais, d'accord. 3 solitaires. Ah. Ok. Ok. 3 solitaires. Ok. Ok. Avec lui là au cas où. Ça. Ok, on fait tac, tac. Et tac. Ok. 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 Ça fait chier. En plus j'attaque pas du bon côté. J'attaque là où il y a une là où il y a la châtaigne. Ouais. C'est pas très mal. Oh, très joli. On va peut-être pas bouger d'ailleurs. Il est plutôt bien pour le moment. Allez, let's go. Beau gosse. Bon, on va le cacher, je crois. Ouais, et après on va mettre quelqu'un pour l'aider. Ou pas. Ou bah. Allez. Ah, il est où mon lutteur? Bah. Ah, c'est comme ça. C'était exactement là où je voulais le mettre, comme ça j'aurais tout de suite le bloc. Oh. Oh. C'est le problème, les bas-fonds, ils ont tellement de remplaçants, du coup qu'ils s'en fichent un peu. Dommage que c'est pas mon vampire qui a pris l'XP. Et c'est comme ça. D'abord le lutteur, hein. Ah, mais j'ai un 3D du coup. Bon, d'abord le lutteur et après l'autre. C'est le prix. Dommage. C'est déjà bien. Bon allez, c'est cool. Du coup, comme il n'y a pas beaucoup de... Quoi, il va déjà aller me chercher? Non. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Oh, fuck. Si, il y a déjà du 1D. Oh, les boulets.
Oh les boulets. Oh les boulets. Oh les boulets. Ouais, il y a déjà du 1D. Putain, j'aurais peut-être dû écarter. J'étais trop arrogant. Il y a déjà un dé pas mal. En plus avec un blocage. Hein. Ouais, ça va piquer. Parce que du coup, il va me le faire tomber. Ah, ça va, il est obligé de passer par là, donc du coup, ça va. C'est le seul avantage. Voilà, d'avoir offert un bloc à un dé là. Bon, faut qu'on se réveille. Oh non, là par contre, c'est trop ça. Non, il va vraiment le faire. 1, 2, 1, 2, 3. Bon, allez, il est bien comme ça. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Et derrière, il peut même être un peu, un petit peu furin. C'est de la chance. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bobos parce que ça m'embêterait de perdre tout de suite le... Oh fuck. C'est le genre de situation que j'adore. Plus possible. Non. Oh my bad, my bad. Oh là 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 là. J'abuse quand même. Ah j'abuse, c'est de ma faute. Je ne peux pas me plaindre. Bon, ici jouer. Hein. Oh, putain, j'espère qu'avec son gobelin ça va pas trop matcher. Je pile poil là à une case. En même temps, il a raison, il a tenté les esquives. De toute façon, là, il a fait un très bon start, du coup, autant y aller. Allez, gratte-toi, ce serait plaisant. Oh, putain. Ça, pour le coup, ça m'arrange quand même, hein, qu'il investisse trop. Ça m'arrange pas mal. Par contre, il va même. Ouais, s'il met le troll ici, il sera. Ouais, oula, ce sera très bien. Ça m'arrange, il y a quand même un coup à jouer. Oh, puis c'est mon lutteur qui est là. Non, il va se faire taper. Il va se faire taper. Yes. Oh, même pas de blessure. Bon, on va, je pense, prendre le ballon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le transférer au vampire et comme ça on se barre. Je pense que ça me paraît être une très très bonne idée. Et avant ça, qu'est-ce qu'on fait? On sécurise quand même ou... Parce qu'il y a beaucoup de monde sur le côté quand même. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être 30 000. Attendez, j'ai 1. Donc là, je tape comme ça. Lui, je secure un minimum. Juste histoire de dire que pas de lui, il va se faire tabasser. Du coup, il y aura un passage par le centre. Oh, il faut secure, hein, franchement. Parce que si je rate ce que je veux faire, bon, c'est aidé, ça donne pas très envie. Et on blisse qui du coup? Bah on blisse personne hein. Ah si, on blisse lui là-bas. Donc j'en ramène juste. Juste un. Pour emmerder celui-là. Le plan me paraît top hein. Honnêtement. C'est pas grave. Sinon, c'est juste de pas louper ça. Donc, il faut mordre quelqu'un et ensuite faire la passe, c'est ça? Ça arrête pas le tour, je crois.
Peut-être sur lui, non? Ah, ça arrête le tour. Oh, fils de... Pardon. Excusez-moi. Putain, ça arrête le tour. Donc on peut pas faire de passe, les moments où tu fais un... Putain, je suis bien fait avoir. Là, je partais easy. Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Envie d'aller là-bas, lui mettre dehors, l'autre là-bas, mais je peux pas. Ok, là on essaie de couvrir comme on peut, là. Par la droite. Oh, il y a déjà le 1D. Parce que là, il va faire quoi? Alors, paf. Vas-y, hein, couvrons, comme ça, tant pis, j'aime pas du tout, mais... Et là, il y a pas moyen de faire un truc, là. On peut rien faire. On ne peut rien faire. Non, on va éviter de faire le même bloc. Ah, c'est dommage. Putain, j'aurais peut-être dû relancer du coup la soif de sang, mais ça m'a fait peur. Ah, j'ai pas compris la mécanique. Alors, attendez. Putain, c'est dommage, hein. Je partais tranquille, là. Fait chier. Enfin, tranquille. Il y avait quand même des choses, mais... Oh, il a fallu que je fasse le 1 à ce moment-là. J'avais une superbe case là. Dégoûté. Ouais. Ouais, du coup, il va se faire plaisir, il a raison. Ah, vous avez vu un peu la différence. Du coup, bah, j'aurais blitzé sur lui. Oh, yes. Ah, comme quoi. Du coup, il a consommé une relance. Parfait. Mais bon, il a toujours quand même malheureusement le... Oh yes. C'est chiant pour lui. Il va devoir retaper. Enfin, faire quelque chose. Pas mal, pas mal. On s'en sort bien là. D'accord, du coup il revient en panique. Oh dommage, il aurait tenu un tour de plus là. Ça aurait été perfect. Ah oui, les deux sols peuvent être intéressants, effectivement. Bon, les chaos, c'est pas très grave hein, pour le moment. Ça va, en plus, pour le coup, on a un remplaçant. Et j'avoue que la petite erreur là du. Bon, c'est pas grave. Faut qu'on reste concentré, les vampires, on sait que c'est très random, donc c'est pas très grave. Quoi. Le problème, c'est que j'ai plus de serviteurs pour les aider, quoi. Ok, il sait qu'il faut qu'il revienne en urgence. Ouais, c'est pas mal parce que derrière, il a quand même. Ouais, comme ça d'ailleurs il va pouvoir taper avec le... C'est là qu'on sent quand même qu'il faut rapidement avoir les autres vampires. Ah, ils sont rapides ces bêtes là. Oh non, ils se met bien qu'il faut là. Ouais. Oui, bah il va prendre le bloc, il a raison. Comme ça, en plus, il va pouvoir être collé au vampire. Ah oui. Enfin, non. Parce que du coup, je vais.
Voilà. Voilà pourquoi ça le dérangeait. Putain, fait chier. Ah bah c'est un jour. Franchement, est-ce qu'on devrait pas plutôt blitzer sur lui du coup? Pour récupérer le joueur et pouvoir remonter. Ce serait pas mal vu, je pense. Même si j'ai envie de me faire lui. Bon, quelles sont les chances que je refasse une soif de sang? Les chances. Au pire, j'irai là. Putain! 1, 2, 3, 4. On peut mordre un coéquipier, je crois, hein, qui est au sol. On va voir. Ouais, je crois que oui. Hein. Oh, je suis pas sûr, en fait. J'ai un doute. Vous savez quoi, je préfère y aller, tant pis. Hein. J'ai un gros doute. Avec lui. On peut faire un bon truc là. Hein. Avec un peu de chance. Allez, go. Go, go. Faut se mettre hors de portée de lui. Comme ça, il n'aura qu'un seul dé. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, il s'en fiche. Yes. Wow. Franchement, si j'arrive à faire... Non, vas-y. Au moins hors de portée de lui. Et là, comment ça se passe? Oh, il y a encore un coup, hein, je pense. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait ça, je pense. Ouais, mais le gobelin pourrait me taper à un dé. Allez, go. Pas grave, on va relancer. Allez, ça se fait, ça. Allez. Oh non! Oh là 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 là. Il a déjà le 2 dé, du coup. Chier. Putain. Ah, dur, hein, c'est dur les vampires, on l'essaye. Mais de toute façon, c'est juste parce que pour l'instant, je suis à 3 vampires. Et surtout avec pas beaucoup de joueurs, donc du coup, ça met vraiment une grosse pression. Ensuite, vous verrez que ça sera bien, bien différent. Ça sera pas le même délire. Il faut vraiment que j'arrive à marquer quand même. Pour réussir à ça. Là. Allez, comme ils sont rapides, du coup, le tour d'après, je suis déjà dans ses. Non, il est déjà dans mes pattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. C'est pas grave. Si on marque, c'est tout ce qui compte. J'ai de la chance, cette heure. Du coup, il l'a pas tapé d'ailleurs avec le troll. Mais là, cette fois-ci, je crois qu'il va pas y échapper. Oh, il a raison. Il... Ah non, j'ai cru que c'était un bloc. Ça veut dire qu'on compte fortement sur lui. Oh, putain, le troll. Ouais, il a raison. D'abord un là-bas. Ensuite, je pense le troll. 3D, ça devrait aller. Ouh, sacré lutteur. Hein. Sacré lutteur, du coup, il récupère. Quoi, il a déjà la portée? Oh, fuck. Non. C'est mieux, ouais, c'est mieux de. Ouh. Il joue dangereusement. Donc il va esquiver avec le. C'est dangereux. Hein. Mais ça passe. Pas besoin de s'énerver.
Peut-être plus vers l'intérieur, je pense. Ça veut lui, il pourra pas faire grand chose. Si le joueur trébuche en vétéran, il finira dans les tribunes. Et connaissant les fans de Blood Bowl, ce serait une... Allez, pas d'armure. Voilà. Ballon. Voilà, à gauche. Nickel. Ah ou pas. Oh putain, il reste encore du mouvement. Non. Il peut même aller chercher le ballon, quoi. C'est fou. Deux, trois, quatre, cinq, six. Allez, piratage là. Oui. A-t-il relancé? Ouais, est-ce que c'est trop dangereux? Bon, ça va, ça me va ça. Faut juste qu'avec mon vampire, j'arrive à aller jusque là-bas. Solitaire. Avec un solitaire, ça ne fait pas vraiment plaisir. C'est vrai que j'ai eu beaucoup trop d'armures brisées, hein. Du coup, regardez tout ce que, ouais, tout ce qui revient, ça a pas abusé. Donc dans l'idée, ce serait de faire ça. Oh putain, il faudrait que j'arrive jusque là, quoi. Et au pire, si je rate, je peux changer mon plan. Ouais, vas-y. Au pire, si je rate, je change mon plan. Et puis, je peux faire une... Ah oui, c'est vrai, ça. Et si je rate, je vais au pire en bas. Comme ça, au moins, j'aurais fait quelque chose. Ok. Allez, 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 allez. Putain, ça demande énormément de jet. Bon, le regard hypnotique, ça, on s'en fout, mais c'est juste pour le fun. Oh, il a réussi. Allez, tu peux le faire. Allez, un petit 5. Bien joué! Bien joué. Oh, on fait quoi? On marque ou on tente le diable? Le diable! Je peux aller le chercher, et lui. 1, 2, 3... Avec un peu de chance, je pourrais aussi le chercher lui. J'aime jouer le danger. Plus de relance. Plus de relance. Il n'y a plus de relance. Je pense qu'il faut mieux que je marque. Ouais! Yes. Justement, mais quel stress. Oh non, c'est celui qui revient pas, quoi. C'est fou, quoi. Effectivement, mais quel stress cette équipe, quoi. Non, et, ah oui, je veux dire, où sont mes mecs qu'ils ont... Ils sont tous revenus. Enfin, je sais pas, on n'a pas tous la même définition de tous. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. C'est surtout lui que je voulais récupérer. Les autres, on s'en fiche un peu. Parce qu'en faisant ça, il risque de jouer des coups à droite. Ça se passe, donc j'ai deux vampires comme ça. Donc le mieux c'est peut-être de le rapprocher un peu plus. Ok. En faisant plutôt une strat un peu plus classique. Voilà, regardez, ils sont beaux comme ça. Une raison de s'affoler. Vous en pensez quoi? Allez, bonne chance à moi. Bon, c'est cool, on l'a marqué, du coup ça nous fait de l'XP, c'est important. Et là, vous savez quoi, ça, on va essayer peut-être de blitzer qu'avec lui. De la chance. Ah, il a plus de relance, hein.
Il n'y a plus de relance. Donc ça va pas être évident pour lui. Enfin, je dis ça, mais en fait, il lui reste tellement de tours que... voilà, il va ramasser le ballon tranquille. Et... Allez, go. Putain, qu'est-ce que c'est que ce ballon? Il est horrible. C'est quoi ce ballon? Ah, oh, c'est une tête d'arbitre, c'est ça? Ah oui, oh, ça a vidé. Oh, ça par contre, c'est dommage, ça m'aurait fait gagner un tour. Ouais. Compliqué. Non, et puis avec deux vampires, du coup, vous pouvez pas faire grand chose. Hein, parce que les requêtes hypnotiques sont. Elles sont justement anecdotiques. Du coup, vous ne faites rien. Hop, là, peut-être un truc que j'aurais dû faire. Je vais préparer mon déjeuner parce que là, je commence à avoir faim. Hop là. Et c'est ça le problème de faire des vidéos, c'est que du coup, vous vous rendez pas compte, mais vous n'êtes pas toujours très bien habillé. En fait, j'étais en train de me lever, et puis là, il y a dans le chat un qui dit qu'il est chaud pour faire un petit match, et je fais vas-y. Vas-y, sur les LFBB, là, c'est cool. Hop. Oh, laissez-les tranquille. Ça va. Bon, il joue bien. Je trouve qu'il fait, il fait correctement les choses. Un peu cette résistance. Quoi, il a assez de portée? Non, d'abord le gobelin, j'imagine. Gobelin, puis. Non. Ah oui, faut aussi qu'il fasse attention à sa défense, ouais. Ah, il a la portée? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, il a la portée, quoi. Non, il va pas le faire, c'est trop long. Non, il le fait pas, ok. Ça me paraîtrait aussi un petit peu tendu. Oh non, il va le faire quand même. Alors, regarde, hein. C'est un petit coup de regard hypnotique intéressant à mettre. Non. Ah, quoi que... Non, non, non. Non. Il y a un 6 plus, là. Mais bon, non. Non, non, je pense que non. On va taper un gobelin qui est proche, et puis voilà quoi. Est-ce qu'on tente par contre des esquives? Avec lui peut-être, mais lui non. Il est intouchable. On va alors sur un gobelin. Et puis on les laisse. Hein. Alors oui, par contre, s'il arrive à faire la passe, il se met bien. Mais là, on s'en fiche un peu. Au pire, j'aurai quelques tours pour les marquer. Ok. Ok. Ok, j'aurais peut-être dû décaler juste une canne. Bon, on est d'accord, il n'y a pas d'option là, comme j'ai pas assez de. Sinon, j'aurais pu faire des trucs, mais pas là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh non. Il va juste me blitzer bêtement. Allez, go! Allez, parfait. Yes. J'aurais peut-être dû faire sur l'autre. En plus, je voulais taper avec l'autre, mais. Ah, parfait ce tour! Voilà, c'est cadeau. Allez. Oh là 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 là. Ils sont beaux quand même. Hein. Ils sont magnifiques, mes joueurs. J'ai presque envie de mettre lui là. Juste histoire qu'il m'emmerde pas trop. Ah, mais du coup, il a accès à moi. Oh, c'est débile. Hein. Parce qu'ici, par à gauche, ça sert à rien. Allez, vas-y. Merde, j'aurais peut-être dû mettre là. Ça sent quoi. Non, il va faire. Alors, il est en train de regarder à combien ça fait. Donc là, il va taper lui et lui donner, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh bah oui, il a juste un... Ouais.
Moi, ça me dérange pas qu'il le fasse. Hein. Comme ça, j'aurai 3 tours. Ouais, je pense que je vais pouvoir marquer en 3 tours. Ah, il t'a pris la châtaigne, laisse-nous tranquille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Ça, c'est super chiant pour lui, ça. Il ne peut plus faire ce qu'il voulait. Par contre, il va quand même pouvoir en mettre un dans le fond et je pourrais pas le rattraper. Ça, c'est vrai, ça, par contre. Pas mal, hein. Pas mal, ce tour-là. Bon, je vais dire qu'il commence à être sous pression maintenant parce qu'il lui reste encore deux remplaçants. Donc, Waouh. C'était méga, méga dangereux, ce Goffrey. Il va le faire? Mais non. Tu charries. Super intéressant pour moi, ça. Super, super intéressant. Ouais. Ouais, il a raison. D'abord... Moi, je pense qu'il devrait attendre un tour de plus, hein. Je sais pas pourquoi il est aussi agressif. Non, je pense qu'il... Ouais, je pense qu'il mit tout, là. Ouais. Là, tout ce qu'il a à faire, c'est juste attendre un tour de plus et de voir comment ça se tourne. Ouais, voilà, voilà. Non, il est en train de me faire de l'intox, ouais. Non, il va le faire, hein. Ça se trouve, peut-être qu'il couvre juste pour pas que je prenne le ballon facilement, au cas où si il rate. Bah, franchement, je sais pas. J'ai un doute, là. Pour moi, il doit juste attendre un tour. Il y a peut-être moyen que ça se passe bien. Ah, il a envie de prendre le vampire. Ouais. Il l'aurait fait. Hein. S'il n'y avait pas de go for it, ou avec une relance, il l'aurait fait, je pense. Bon, c'est sûr, il va partir à droite. Non, il le fait. Non, il le fait pas, juste. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh. Oh putain, j'ai cru que j'avais intercepté quelqu'un. C'est pour ça que je suis sur le jailler. J'étais en mode waouh. Waouh 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 waouh. En parlant de waouh waouh, là il y a une superbe action là. Oui, oui. Il dit qu'il a oublié qu'il avait plus de relance. Je pense aussi qu'il a fait un petit peu le fou là, sur cette action. Alors qu'il avait super bien joué, je pense, sur la game. Je pense que tout ce qui est... Que le but, c'est qu'il ne revienne pas. Comme ça. Bon, voilà. Ah, je suis juste à une case là de... Fais chier ça. Donc on va devoir taper avec mon lutteur, j'imagine. Quatre, cinq, six... Putain, il y a encore cette histoire de mordre, là. Attends, est-ce qu'on n'aurait pas peut-être se mettre à quelqu'un à portée? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, même pas. 1, 2, 3... Non, c'est pas ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Putain, juste une case, c'est fou, hein. Même retaper, ouais. Ok. Donc c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui va devoir lui mordre les fesses. Enfin, ça va, vous avez compris quoi. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a du monde là ici au centre, hein? Bon, là lui s'est perdu, ouais. Je crois pas. Faut juste couvrir, je pense. Pas trop sûr, mais je crois que ça fonctionne. Allez, pas de, s'il vous plaît, pas maintenant. Lui, vous pouvez, mais pas lui. Yes, allez. Ok. Allez, 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 allez. S'il vous plaît, faites-moi plaisir.
Allez, 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 allez. Pas de petit 1. Allez. 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 Non. Putain. Mais c'est fou, quoi. J'ai mis personne à portée. Ah, ça va, il me reste encore un tour. Bon, on est en bonne situation, hein. Ah, vraiment dommage, là. Ah, c'est pas des elfes comme les autres, hein. Ah, c'est triste, hein, j'ai fait 2-1. C'est un truc qui arrive souvent. Chez les vampires, c'est vraiment classique chez eux. Bon, lui, bien, quand même. On lit plutôt bien. C'est lui qui est en galère, là. Et moi qui ai une possibilité d'aller marquer. Qui va peut-être faire... Je sais pas s'il va faire revenir quelqu'un. Il a pas hésité à utiliser les grands moyens. Parce que là, si je bêle 2-0, bah, c'est presque la victoire. Donc, il y a encore une possibilité. Il faudrait que je marque avec lui, en plus. Ouais, donc quand on mord un coéquipier, donc c'est la fin du tour, okay, parce qu'il y a encore des trucs que je comprends pas. Je comprends pas tout encore. Ouais, je crois qu'il a des joueurs pour revenir. Hein. Allez, un petit mauvais jet de dés, ça serait bien là. Là, il a, tout ce qu'il a à faire, c'est juste au pire. C'est ça, assurer. Assurer que les vampires se baladent pas trop. Je crois qu'il peut même en blitzer un, non? Non, ça me paraît compliqué. Le mieux, ouais, c'est qu'il assure. Ça, c'est parfait. Comme ça, il va taper là. Et lui, il le met ici. Et c'est bon. Il sauvegarde le but, j'imagine. Oh! Oh putain, j'ai cru qu'il allait pousser là et ensuite qu'il allait blitzer pour pousser dessus. Ça aurait été vraiment malin. Deux monteurs. Il faut qu'on garde un œil sur lui. Oh, il va passer. Mais non. Parce qu'à la force, ça va marcher. Hein. À la force, ça va fonctionner si. S'il arrête pas de faire ça. Ça, c'est bien vu. J'espère qu'il va. Vous croyez qu'il a des intentions d'aller marquer? Et ensuite passer à lui ou. Franchement, ça, si ça passe pas, ce serait pas de bol. Hein. Je pense que c'est plutôt bien joué. C'est pas loin, Marc. Mais ça, c'était bien joué. Ouais, bien vu. Ça m'empêche de revenir. Ah non, j'ai comme mon lutteur, mais... Et ensuite, bah autant qu'il fasse l'inverse, non? C'est pas impossible, hein? Et ça, en fait, c'est une chance sur deux, du coup. Comme il a la compétence. Oh, il le fait. Et il le fait, hein? Oh! Attends, réfléchis, ouais. Parce que là, il y a des trucs intéressants à faire. Il y a déjà donc ce bloc-là, ça c'est sûr. Ok, donc tac. Ensuite, je peux taper ici. Je préférerais quand même taper avec lui. Hein. Ouais. Ça me laissera deux chances. Et ensuite, je pourrais back. Ok, ok, ok. Ok. J'espère quand même de faire un double 1 sur lui. Il faut mieux que je mette le vampire là. Le vampire, le vous avez compris. Ok. On va peut-être juste se mettre quelqu'un à portée quand même, histoire de pas avoir l'air bête. Si ça marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain, c'est fou, faire 3 cases. Juste au cas où, hein, histoire de pas avoir l'air jambon. Ok, donc on ferait quoi là? On tape avec lui?
Alors, je pense qu'il faut d'abord déblayer un peu. Il a une garde? Ah non. Pourquoi ça marche pas? Ah, ok, d'accord. Allez. Yes. Ah, s'il vous plaît, ne faites pas ramasser le ballon. Allez, pas de ramassage de ballon. Par moi-même. Ok. C'est pas très grave ça. Ça par contre ça fait chier. Ah c'est pas de bol ça par contre. Ça fait mal. Oh. Fais ça. Tu joues avec le feu. Tu joues avec le feu. Tu joues avec le feu 100%. Oh là là. C'est encore bon. Putain, c'est pas possible ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et 6. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parce que si je garde le ballon dans les mains, je suis sûr de pas le perdre. Mais par contre, on peut pas de toute façon. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, de toute façon, comme ça, c'est très bien. Allez, go! Oh, piégé. Bien joué, mon gars. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Ah ouais, il est à portée maintenant. Cool. Allez, petit espoir là. Tout petit. Ce qui m'embête juste, c'était d'avoir laissé lui, mais bon, tant pis. J'ai préféré parce que si je loupais le ballon, il aurait pu facilement me, je sais pas, me faire des choses. Là, il a toujours d'aller. Ah non, ok. Oh, il va juste aller. D'accord. C'est compréhensible. Ça, c'est bien joué. Un qui empêche, du coup, le vampire de faire trop ce qu'il veut. Et un autre qui va me chase. Oh, on peut même aller le chercher avec lui, ouais. Waouh. C'est faisable, hein, franchement. C'est pas dégueu. Ah, il y a des chances que ça passe pas là par contre. Hein. Il a beaucoup de jets de dés à faire. On va faire gaffe quand même au tour d'après. Qu'il m'arnaque pas avec un but YOLO. Là, j'ai plus de relance. C'est-à-dire que si lui, quand je le bouge, il fait un faux truc, bah, je suis obligé de, il est obligé de prendre le sang. Ah oh, bah voilà. C'est marrant ça. Si j'avais reçu une pièce d'or à chaque joueur qui est sur le carreau, je pourrais fonder ma propre équipe. Un million, ça suffit pour se lancer, n'est-ce pas? Ah ouais, mais bon. Et on se barrait vers le. Je pense que je vais le coucher, mais je suis pas. Je devrais prendre tous les jets de blocage, hein, mais j'avoue, ça fait peur. Ça me donnerait quand même un sacré avantage si j'arrive à lui faire mal en fait. Ah, je sais pas. Donc là, on ferait ça alors. Ok. Je peux quand même l'atteindre s'il est là? Ouais, je peux. On va faire ça déjà. Dommage. Voilà, ça annonce que du bon. Ah oui, attention, on avait dit oui, c'est vrai, putain, je suis bête.
Elle dit attention, parce que je peux me faire arnaquer en fait. Il peut pas les marquer. Et celui de gauche en fait il peut. Donc il faut le surveiller. Lui aussi, mais dans des circonstances un peu reloues. On va quand même couper tout soutien logistique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, faisons d'abord le plus simple. Allez, go. Ah, dommage. Je suis un petit peu bloqué là. Ça va, j'ai encore un coup apparemment. Hop. Oh, j'aurais pas dû fif, Kalan. Dommage. Dommage, dommage. Il y avait une petite opération quand même à faire. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'aurais pu. Dommage, hein, c'était pas loin, hein, franchement. Bon, pour l'instant, on part du coup sur un match nul. Puis il prend tout, bien sûr. La chataille là m'aurait dégommé. Putain, on est bien là, c'est la première fois, je crois, qu'on fait une mi-temps aussi bien. Un seul KO, bon, c'est un vampire quand même. Je préfère l'échanger avec 2-3 serviteurs, je pense. Ah oui. Allez. Lui, pas moi. Notre match est incroyable. Allez. Pourquoi j'ai. Marqué Tinks, mais je suis pas sûr de ce qu'il me dit. Ils ont un joueur de moi. Rien d'irrattrapable. En plus que tout, ils doivent conserver la possession du ballon. Bon, on reste dans le même principe. Ah ouais, le vampire est revenu. J'allais l'oublier. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Oh, il est triste. Il est triste, vous avez vu? Il est triste. Ah, bah, il y a des fois. Il y a des fois, ça veut pas, hein, c'est vrai. Il y a des fois, Blood Bowl, c'est un peu triste. Attendez, j'ai 4 joueurs, on va le mettre ça. Non, non, pas le lutteur devant, s'il te plaît. Voilà, et Luthor il est là, comme ça. Je peux faire ce que je veux. Ouais, je compatis. Je sais ce que c'est. Alors, il lui reste quoi du coup? Parce qu'il reste toujours sa châtaigne. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, et franchement, il est qu'à moins 1, c'est rien. Ce n'est rien du tout. Et tant qu'il a. Là, par exemple, vous voyez sur la loss, je vais perdre normalement un ou deux joueurs. Donc, vu que c'est les châtaignes, franchement, ça ne pardonne pas. Oh. Alors, ça. Ça, c'est plus que bien même. Elle est où sa châtaigne? Ok. Vous croyez qu'il peut me le sortir, je crois. Hein. Allez, jouons un petit peu ric-rac. Je pense qu'il y a moyen d'être agressif. On pourrait même faire ça. Hein. Ah, mais il va peut-être me mettre un coup de troll. 4, 5, on sera un peu fou. Je meurs, s'il me met un coup de troll, je meurs. Et dans le sens. Oh. Littéralement dans le vrai sens du terme.
Allez, go. On a fait un start très agressif, on va voir ce que ça va donner. Putain, j'ai vraiment peur qu'il mette un coup de troll hein, sur un vampire. J'ai fait des. Non, j'ai même pas fait des deux regards hypnotiques encore, je crois. J'arrive pas à m'en servir. Enfin, veut dire, ça va. Ça veut dire du coup que je suis tout le temps en train de bloquer avec eux, donc c'est bien aussi, quoi. Mais là, avec. Oh. Ça c'est badass. Ça, c'était sacrément badass. Bah dis donc, les armures, waouh, t'as pile poil, regardez, 6, donc il est à 7, juste un petit point, et c'était finito. Bon, tant mieux du coup qu'il attaque lui, moi ouais, ça me va. Attends, on pourrait d'abord... Incroyable. On pourrait même taper d'abord lui et ensuite blitzer comme ça. Bon, c'est un peu surfait, mais c'est pas intéressant. Ciao. Ciao. Il est mort. Tant mieux, franchement, tant mieux que ça arrive pas sur un de mes joueurs. Je m'en fiche complètement. Allez. S'il pouvait survivre, ce serait vraiment excellent. Oh, excellent. Franchement, chapeau. Ils servent bien ces mercenaires en fait. Hein. Il doit avoir une règle, vous savez, comme pour les. C'est qui les slotting, je crois? Non, pas les slotting, les. Les ogres, ils ont la règle. Ah non, enfin c'est une règle pour pas mal d'équipes. C'est ville quoi, ville. En fait, vous pouvez avoir des 3 quarts pour pas cher. Ouais. Pour 100K, vous pouvez avoir vous lancez un, vous avez déjà 3 comment ça s'appelle, 3 quarts, enfin des petits les slotting. Ouh, s'en sort. Donc 3 pardon, attends, je recommence. Donc il y a une règle qui s'appelle attends, il y a le truc à côté. Bon, c'est pas. Donc il y a 3. Oh là 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 là, j'y arrive plus. Je recommence. Désolé, je suis. Il n'y a pas si longtemps, du coup, je suis complètement KO. Donc oui, il y a une règle qui fait que je crois que c'est pour 100K. Vous pouvez avoir 3 quarts, donc c'est des slotting, hein, bien sûr. C'est pas non plus. Donc voilà, vous pouvez avoir donc 3 slotting plus. Vous lancez un dé de 3 et ça vous rajoute encore plus. Alors vous direz, ouais, mais bon, les slotting ça coûte que 15, ça rapporte pas. Oui. Mais l'avantage de ça, en fait, c'est que vous pouvez du coup dépasser votre seuil habituel des 16 joueurs. Donc ça veut dire que si vous êtes par exemple à 14-15, c'est super rentable parce que du coup, vous pouvez en général avoir allez, une moyenne de 5 joueurs supplémentaires. Donc du coup, vous arrivez pratiquement à 19 joueurs. C'est-à-dire que vous vous en foutez à chaque fois, vous êtes toujours à 11. Ça, c'est vraiment cool, quoi. Waouh, il vient de faire une esquive, là. Hein. Waouh. Ah ouais. Il vient de nous faire une belle esquive, là. Hein. Du coup, on va aller le chercher avec un vampire, bien sûr. Peut-être avec lui, avec le bloqueur. Là, il va faire ça. Ouais. C'est étrange, hein. Je trouve quand même qu'il avait fait une bonne. Je crois qu'il avait fait une bonne première mi-temps, mais là. Je sais pas. J'ai l'impression quand même qu'il prend des choix un peu risqués, quand même. Enfin, sans vouloir juger, hein, mais. C'est la sensation que ça me donne là. Ouais, je vais faire ça parce que comme ça je gagnerai un point de mouvement. Si je vais derrière, bah c'est embêtant quoi. On va pas le bouger lui, je pense. Lui, est-ce qu'on apporte un soutien pour taper avec lui? Ce serait bien vu, je pense. Après, j'ai plus de solide. Après, il va pouvoir facilement y accéder là, ok. Et lui, on le libère. Ouais, vas-y, je perds déjà trop de joueurs, donc...
Attendez. 1. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Ah, on commence à connaître, c'est bon. Les vampires, maintenant, c'est notre tasse de thé. Bah non, ouais. Plutôt ça. Oh, mais il va sortir si... Oh, fuck. Ok. On a dit quoi? Dangereux. Pas mal. C'est quoi? On va le faire revenir parce que j'ai peur que de me faire avoir sur ce coup. Ah! Ah! Tant pis pour toi. Oh, le troll. Le troll. Oh, le troll, il est à portée. Allez, dernier jet de dés. C'est pas grave, on va suivre. On va suivre. Parfait. Franchement, super tour. Super tour là, je trouve qu'on met une grosse pression. Il va devoir du coup faire un choix. Genre blitzer ici, venir là et faire une passe à lui. Je pense qu'il va faire un truc comme ça. Mon lutteur est où? D'accord. Mal placé le lutteur. C'est pas allé, ça va. Ah oui, oui, oh non, il va peut-être. Ouais, il va cacher. Ouais, c'est mieux. C'est juste parce que, à cause de sa première mi-temps, du coup, j'ai cru qu'il allait nous faire encore une dinguerie. Mais non. Non, honnêtement, je pense que vraiment la première mi-temps, et je pense qu'il aurait dû être patient. Juste un tour et de voir comment je réagis, je pense qu'il y avait moyen de faire un truc. Après, bon, comme d'hab. Hein. Après, il a dit qu'il avait oublié qu'il avait plus de relance, donc c'est vrai qu'avec une relance, il l'aurait réussi. Donc, effectivement. Effectivement. Bon là, j'avoue, j'ai l'espoir. Hein. Est-ce que ce serait peut-être la première victoire de mes vampires? Je crois d'ailleurs qu'il y a quelqu'un qui a gagné. Attends, je vais regarder. Je crois qu'il y a quelqu'un qui gagne avec les vampires. On va regarder ça. Sur la LFBB. Romain, c'est ça? Non, qui joue avec les vampires? Willow Naver. Naver. Ah, si, il y a quelqu'un qui a gagné. Quelqu'un qui a gagné. Et c'est quoi? Waouh! Putain, faut que je le regarde. Naver contre des elfes noirs. Il faut que je regarde comment il a fait ça. Il jouait combien? 3? Ouais, normal, classique. Il jouait 3 vampires. Est-ce qu'il a eu des ups? Ah, il a eu des ups. Ah, j'aimerais bien savoir ce qu'il a pris. On regardera après. Naver, donc c'est Naver, ok. Regardez. Il y en a en fait, je sais pas vous, d'ailleurs parce que je m'y connais pas grand chose en vampire. Donc là, mais je sais comment on va les évoluer. Putain, si lui il rate là, il est dans la merde. Je pense qu'il va se mettre là, là. Oh 1, 2, 3, 4. Non, c'est bien. Je mets 10 ans là, mais c'est bien. Du coup, il va pouvoir couvrir, il va mettre du coup ses deux gobelins derrière et il est plutôt bien. En plus, ouais, voilà. En plus, il prend un. Il prend en plus un. Qui est pas dégueu, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, je sais pas trop du coup comment les faire évoluer et tout. Alors, vous me direz s'il y a des gens qui sont un peu spécialistes des vampires. Mais moi, je pense savoir ce que je vais faire. En fait, on va d'abord mettre bloc à tout le monde. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup, par exemple, qui mettent pro en premier, mais je trouve ça pas très intéressant, personnellement. Je trouve que c'est mieux d'abord de leur prendre le bloc, parce que regardez, un truc simple, mais là, ce vampire-là, il est vachement fort avec blocage. Ah, si j'ai pris pro, bon, oui, alors oui, de temps en temps, je vais relancer, c'est cool. Mais pro, pour moi, ça sera plus en troisième. D'abord, vous le prenez, je pense, blocage et esquive, parce qu'en fait, le but, c'est que les vampires fassent des regards hypnotiques, mais sous les joueurs, et le mieux, c'est qu'ils soient quand même blodge, quoi, pour éviter de prendre trop de dégâts. Parce que sinon, là, sans blocage, sans rien, c'est free, quoi. Bon, il y a un coup à jouer. Dommage qu'il est trop loin celui-là. Ah ouais, putain, j'ai une case en plus. Hein. Là, je me gêne en fait. Hein. Ah, c'est la question. Est-ce que je joue safe ou est-ce que j'y vais? Je pense qu'il faut que j'y aille. Hein.
Là, je fais une esquive, je tape dans le tas. Oh, foiré. En plus, il risque de me le sortir. Putain, mais joueur, franchement, lourd, hein, quand même. Hein. Ils sont lourds, mes joueurs. Hein. Oh, je pense qu'on va jouer juste... Je mets un coup de regard hypnotique ici. Et comme ça, j'infiltre... Ça peut être pas mal, hein. Ici, il me plisse par là. Ok, donc lui, on va juste le rapprocher, parce que pour le moment, il n'y a rien à faire. Toujours tenter le regard, c'est vrai. Ah, sauf si je fais ça. Ouais, bon, dommage. J'ai tenté. Comme ça, j'aurais pu taper lui, ouais. C'était intéressant. Ok. Donc là, on va mettre un coup de... Ok. Ok. Ah, j'aimerais bien le mettre là pour le forcer à... C'est génial quand ça, quand tout passe, hein. Ah. Presque tout. Presque tout. Je le laisse le troll, il va sûrement me blitz, hein. Ah, il va me blitz, et du coup il part à gauche, et je pourrais pas trop le... Attends, fais ça, puis on voit. Oh là là. Ouh loulou. Oh, si ça rate, je suis complètement à l'ouest. Hein. Ah, si ça rate, je suis à l'ouest. Allez, fonctionne. Yes. J'avais, hein, je sais que j'avais un bloc 1D, hein, mais je préférais plutôt le mettre la pression et on verra comment il réagit. Ah, oh, dommage. Pas mal, il est sous pression, mais bon, franchement, regarde, il tape comme ça dans le coin, et il me fout déjà deux joueurs presque dans le vent. Je crois qu'il pourra... Ouais, puis il pourra encore... Ouais... Bon, je trouve pas si en danger que ça. Ouh. Ouh. Remarque, ouais, il a juste à apporter un joueur là. Non, ça va, franchement, regardez, il dégomme lui là. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Attendez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. Ouais, ouais. Là, franchement, blitzer avec lui, ça peut être intéressant. Ah oui, mais il faut lui mettre un soutien. Par contre. Donc là, il a un dé, par contre, s'il apporte là le gars ici. Ok, un dé. Oh, un dé. Oh, il abuse, par contre. Bon, t'as gagné. Ouais, mais en même temps... Ouais, quoi que, il aurait fait un skull, je sais pas. Faut dire, ouais, c'est comme moi en première mi-temps, hein, du moment où vous avez des 1 et des 2, faut être bien, quoi. Allez, faut pas louper ça, je voulais dire. Faut pas louper ça. Ah bah lui, il est pas là, c'est vrai. Il est pas là. Oh, c'est deux solitaires, j'ai vraiment pas envie de jouer avec des solitaires. C'est des solitaires, j'ai vraiment pas envie. Comment on fait ça? Parce qu'on va le faire, mais comment? Putain, si je pouvais... Vas-y, on tente le coup quand même, là. Ouais, on se met en blitz. Vas-y, on blitz, on se prend pas la tête. Hein. Vas-y. C'est pas grave, on va... C'est pas grave, ça. Quel... Oh oui, j'ai monolithe sur... Non. Putain, excellent. Donc il faudrait que je marque avec l'autre. Quoi, il avait un truc? Ah ouais, pas de chance.
Oh, je récupère le ballon. Et comme ça, on va donner à lui, ok? Oh, j'avais oublié. Oh, j'avais complètement oublié. Et j'ai pas trollé, hein, j'avais vraiment oublié ce truc. Ça sert à rien. Je sais pas ce que je fais là. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Donc là, c'est un solitaire, on va taper en dernier. Et couche-le. Putain. Fuck. Fuck, fuck, fuck. C'est pas grave, le retour d'après. Oh, je relance, hein. Ça se trouve, je l'aurais tué mon joueur. Oh, il faut qu'il évolue, hein, c'est vraiment une priorité. Oh, bien joué, le solitaire. Oh, mais non. On va marquer rapidement. Hein. Vous connaissez mes intentions. C'est de vite évoluer. Ouais, je comprends, c'est rageant un peu. Et ce qu'il dit en clair que voilà, que 4 AJ, 4 force, qui fait jamais des 1. Et effectivement, parce que rappelez-vous mes autres matchs avec les vampires, oh, qu'est-ce que j'ai fait des 1, franchement, qu'est-ce que c'était rageant. Bon, après, maintenant je commence un peu mieux à comprendre l'équipe. Après, son problème, c'est que voilà, bah, comment il les bouge, quoi, du coup. Comment il les bouge, ouais. Ah, il va tenter un 2 décontre, ouais, c'est pas dégueu. Lui là, il est hypnotisé depuis 2 tours là. Et qu'est-ce qui m'arrive? Allez, faut pas qu'il y ait victoire trop tôt, parce que dans le Blood Bowl tout peut arriver. Donc l'objectif c'est lui. Hein. C'est celui-là. On marque les sur très rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. On le fait? Ouais, je pense qu'on peut le faire. Oh putain, t'es décontre. Ça peut pas être évident. Mais il peut, hein, franchement, c'est pas dégueu, réellement. Oh. Oh. Allez, fais-moi le XP. Ouais, pas de chance là, j'avoue. Je suis d'accord avec lui, pas de chance. Fou. Vous avez vu l'importance du bloqueur? Pour ça, la strat là. C'est pas, moi je trouve pas ça ouf. Hein. La strat de pro là. Là je me serais bien fait avoir. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il. Je m'en sors bien effectivement. On va pas faire le mytho. Et on pourrait blitzer avec lui sinon. Sur un malentendu, je gagne de l'XP supplémentaire. Ouais, mais du coup, j'aurais pas les points de mouvement pour après. Non, effectivement. Effectivement, de toute façon, ça va. Bon, d'abord, un jet de blocage facile. Allez, vas-y, ça me fait marrer. Ça, il revient pas. Oh putain, on fait quoi du coup? Est-ce que vous connaissez le coup là du. Non, vas-y. Ah, mais si je fais le. Non! Non, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant?
Non. Non, 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 non. Ah, oh, pourquoi maintenant? Bon, abusé. Et lui, est-ce qu'on on backerait pas? De toute façon, on s'en fout un peu, non? Oh, on s'en fout. Je pense qu'on va juste couvrir au cas où. Oh là 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 là, tout me réussit. Mais franchement, c'est fou. Attends, entre le match de merde la dernière fois que j'ai passé là. Et maintenant. Ah ouais, les autres matchs c'était horrible, hein. J'ai vraiment fini à chaque fois à 5 sur le terrain quoi. Là, je suis très très étonné là. Très très étonné par ce qui se passe. Et puis là, c'est la situation relou parce que du coup, il doit aller me chercher et c'est relou quoi. Faut que je sois prudent quand même. Parce que franchement, un petit ramassage et un petit lancer de ballon, c'est pas dégueu. Oh putain, il va me chercher. Hein. Ouais, puis le pire, c'est qu'il a le 1D. On l'a dit, hein, faut être prudent. Oulala. Oui. Allez, 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 allez. Juste une petite poussette, s'il vous plaît. Oh, j'en demandais pas tant. J'en demandais pas tant. J'en demandais pas tant, honnêtement. C'est vraiment nul comme équipe. Hein. Faut pas non plus s'enflammer. On va essayer de bait. Non, 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 non. Je suis à 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Putain, ça n'a pas de couple. Putain. Ce que je vais faire en fait est un petit peu dangereux. Dangerous! Dangerous! Ah, j'ai peur qu'il me blitz avec son troll parce qu'il est saoulé. Oh, j'ai peur. Ouais. Franchement, ce serait très bien vu de sa part. Donc on lui montre tout de suite mes intentions ou pas? Ouais, tant pis. Je sais, on l'a montré les intentions, mais... Bon, écoute, ça se passe bien, on va se faire plaisir. Hein. Dangerous. Dangerous. Ok. Putain, j'ai peur qu'il... Franchement, il va y aller, hein.
Ça, il va y aller. Ah non, il tape avec le troll, ok. Cool, cool. Pourquoi je l'ai relevé celui-là? 2 d'XP. Bon, c'est pas très grave, c'est pas eux que ce soit qu'on veut faire évoluer. Oh, tant pis, on le laisse mourir s'il a un truc. Hein. Ah, dommage. Rat match sur un. Ça m'embête un peu. Putain, il va le faire. Ah, ça m'apprendra ça. Je l'aurais bien cherché sur ce coup-là. C'est une très bonne solution parce que du coup ça lui permet de coller et on sait jamais hein, sur un malentendu. Ah, j'ai pas pensé à ça. Tant mieux, tant mieux. Je veux pas qu'il me. Oh, par contre, il réussit. Ah oui. Ah oui. Oh oui. Oh putain. Ça se trouve, on est peut-être sur l'action du match. Oh, je peux me faire un brain de ouf. Hein. Il y a mon lutteur qui est là. Ouais, il y a quand même mon lutteur, donc quoi qu'il arrive. Attention quand même. Il n'y a plus de relance. Oui. Ah, le pauvre. Allez, je vais arrêter de lui parler parce que sinon je vais l'énerver encore plus. Parce qu'en fait, il dit un truc et du coup j'essaie de contre-argumenter, mais ça c'est. Quand un joueur est énervé, ça sert à rien de parler avec lui. Il passe une mauvaise game, voilà. Voilà quoi. Il n'y a rien à dire quoi. Quand même mettre nos joueurs en place au cas où. C'est juste au cas où. Il me faut combien on a dit 2 joueurs. Attends, qui va se faire sucer le sang? Oui. Est-ce qu'il faut que je remette un à portée du coup? Ouais, parce que j'ai peur de rater le gopherite et de faire de la merde. Et le ballon pourrait partir en fait très 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 loin. Et là je pleure si ça part. On va peut-être même d'ailleurs se mettre pas trop sur le bord parce que. Et go. Putain, quel BG ces vampires. Yes! Alors, en même temps d'avoir marqué dessus, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée quand même. Oh, t'es ravagé, il en a eu combien? Ah, oh, ça va, il en a eu 2. Ok. On va mettre solitaire au milieu. Par réflexe, les gens tapent. Comme tout à l'heure, le bloqueur là. Hop là. Pourquoi je marque tout de suite? Ouais, j'abuse un peu quand même. Putain, trop cool ce match. On l'a bien XP là. Ça me fait plaisir. Et il m'aurait plus qu'on fasse. Oui, en plus, comme on a une victoire, du coup, c'est cool parce que là, on peut choisir l'argent. Enfin, on a une chance d'avoir plus d'argent parce que là, malheureusement, oh, j'ai fait quand même des mauvais jets de dés à chaque fois au niveau de la thune. Donc, en fait, vous perdez ou vous faites un match nul difficile et en plus, derrière, bah, c'est pas agréable quoi. Et encore, là, il n'y a que 3 vampires, mais quand il y en aura 4... J'ai pu voir aussi qu'on peut pousser à 5, mais à 5, je trouve que ça commence vraiment à devenir un peu trop... Je sais pas. Je trouve que ça devient quand même beaucoup, quoi. C'est faisable, je pense, hein, parce que c'est vrai que... Du coup, en fait, dans les premiers tours, vous avez quand même de sacrés premiers tours. Oh, non, ça... Vous avez des sacrés premiers tours, en fait. Du coup, bah comme là par exemple, là quoi qu'il fasse, alors à moins qu'il fasse un one turn, mais sinon quoi qu'il fasse en fait, mes vampires vont pouvoir très facilement faire une cage. En plus, il y a 2 joueurs au moins. D'ailleurs, oui, c'est trop. Pourquoi il a mis 2 joueurs là-bas? Ah, il voulait peut-être faire le one turn rapide, ok. Ça, tu peux le prendre. Ah, yes. En plus, c'est lui, j'espère qu'il va pas. Ça aussi, tu peux le prendre. Je te l'offre. Tu peux faire une mort dessus. Ça aussi, ça me fait toujours marrer. Hein. La différence entre ceux qui sont solitaires et... C'est fou comment vous en avez mais strictement rien à faire. Quoi. Non, là, par contre, il a pas de cul, là.
Allez, tape. Putain, c'est vraiment bien mis là. Je suis très très content pour mon équipe là. Bon, faut pas trop s'attacher parce que vous savez ce que c'est. Tu peux le blesser, c'est pas un problème. Wow. Shayuken. Ah ouais, il tente le one turn du coup. C'est marrant. Ah, ces petits gars, quand ils s'éclatent sur les murs ou sur l'astrogranit, ça fait une espèce de flaque de bouillie de cerveau. Ah. Oh merde. Oh putain. Ah, ça va, il a fait le. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je peux aller chercher du coup le. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est bien. Le deuxième est aussi à portée. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait chier, ça, par contre. Il faudrait presque que j'ai. Non. T'as vu ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de penser qu'il fallait que j'hypnotise le. Non, ça va me sortir de question. C'est le lutteur 3, 4, 5. Il me faut de coups de joueurs dessus. On va le garder, je pense, pour le soutien. Putain, c'est lui qu'il faut qu'il aille. Mimgen. Ah oui, mais si je me loupe. Voilà. Oula. Toujours le réflexe. C'est marrant. Oh, je suis con. Regardez, il manque une case. Je vais me troller. En plus, j'ai fait un 6, donc derrière, il risque d'avoir un. Oh, rien du tout. Trop facile ce jeu. Mais non! Putain, mon lutteur, ça va être la star de l'équipe, quoi. Puis on va faire ce qu'on a dit, hein. Putain, aucune soif de sang, j'abuse. J'abuse de ouf. Je crois qu'il faut que je fasse une case, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, je suis obligé. Oh putain, mais ça se passe incroyablement bien, c'est abusé ce jeu. Non, j'abuse. Oh là, mais qu'est-ce que j'abuse. Je le donne, je m'en fous. Waouh. Ouais, bah, j'étais sûr qu'il allait tenter une folie. Il a raison, sur un malentendu. Hein. Oh, oh, mais non! Oh, il a pas de chat. Franchement, c'est pas cool, le pauvre. Oh, le ballon, par contre. Pas cool, ça. On tente avec le vampire de passer à lui. Et lui fait une transmission. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut tacler avec. Est-ce qu'on peut blitzer avec quelqu'un? Non, c'est. J'avais envie de lui dire la prochaine, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Waouh, ça fait une sacrée passe. Hein. Oh, c'est tout sauf une bonne idée de finir sa course si près de la ligne de touche. C'est un coup à se faire pousser dans la foule.
Ça fait combien là? 50% je crois. Ouais. Ouais, c'est faisable. Non, dommage. Dommage. Cool. Allez, un beau jet de dés maintenant, un 6. 3. Ah putain, rappelez-vous de ma théorie. Hein. En dessous de 3, il faut pas relancer. Je tente le diable. Putain, ma théorie est vraiment valable. Hein. Ne relancez jamais en dessous de 3. Jamais. Putain, chier. Ah, mince. Et non, c'est un vampire en plus qu'à le... Excellent. Franchement, incroyable. Vraiment beau match de mes joueurs. D'ailleurs, on va regarder tout de suite les soifs de sang. Abusé, j'en ai fait que 4 sur 30. Bon, mes armures, c'est comme d'hab, mais par contre, c'est normal avec. Que 4. Voilà la différence. Ah, ça change tout. Hein. Ça change clairement tout d'avoir un match comme ça. Ah, oh, j'ai déconné, hein. J'ai 3 joueurs, hein. J'ai voulu jouer, malheureusement. Bon. Je pense qu'on devrait peut-être pas acheter tout de suite un vampire, à mon avis. On va d'abord peut-être essayer de se faire des... On va tous regarder ce qu'ils ont, pour le fun. Bon, je pense qu'il faut tous leur prendre un blocage, mais... Ça s'accepte ou pas? Parce que du coup vous faites des regards hypnotiques à 2+. Qui me paraît plutôt être une bonne idée. Au long terme, franchement, c'est monstrueux, je pense. Ça m'embête parce que du coup il sera pas protégé. Ouais. Hop. Ouais, c'est vrai que pour lui quand même c'était un peu embêtant quand même les vampires parce que comme il avait beaucoup de minus, du coup bah ouais. 1080. Donc je suis à 1002. Ouais. Donc on a des bobos, mais c'est pas grave. Putain, vous avez vu le lutteur? Le lutteur il se met trop bien, hein, franchement. Il se met bien le lutteur. Du coup, bah regardez. Compliqué. Hein. Pour vous dire, ce match-là, je peux le gagner. Sauf que j'y arrive pas. Je rate des trucs. Mais bon, après, je connaissais pas encore trop la mécanique. Contre Kenan, bon, aucune chance, là par contre, aucune chance, hein, c'était des nains du chaos, donc... Et en plus, il m'arrivait toutes les pires choses affreuses, j'aurais pu quand même marquer un but, mais oui, il aurait gagné 2-1, quoi qu'il arrive. J'ai perdu 3 joueurs et compagnie. Là, pareil, un match, franchement, le score ne reflète pas, un match que j'aurais pu faire match nul, voire même peut-être plus, on sait jamais, avec de la chance, parce que je crois qu'on... Je sais plus si c'est ce match-là ou que je... Oh, je me rappelle plus trop. Mais ouais. Et puis bon, bah, celui-là, comme vous avez pu voir, je m'en sors honnêtement très très bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? Je pense qu'on doit attendre, hein. Le quatrième vampire doit attendre. Il me le faut par contre, parce qu'on l'a vu que c'est trop juste, et dès que je perds un vampire, je suis cuit, je peux plus rien faire en fait. Parce que du coup, les regards hypnotiques, bah, c'est cool, mais sauf que bah, je peux pas faire ce que je veux. Quoi. Je pense qu'on va attendre encore une game, et comme ça, j'aurai pas mal de... Ouais, c'est cool. Bon bah voilà pour ce match, à la prochaine.